Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre carrière au Nord Island. On est parti pour un nouvel épisode et on rappelle que pour l'instant on est leader du championnat. On est parti du coup pour un épisode. Je rappelle juste que je change le format de carrière. Je passe sur un match complet et 5 matchs temps fort, c'est parti. Allez, le premier match temps fort, c'est parti. Au contrôle de balle et aux appuis dans la cabine de commentaires. Et déjà un penalty pour l'XB. Attention. Et ça Penalty! rentre très Ah, on bien est après dessus, ce mais pas assez penalty. haut. Et du coup, l'ouverture du score de Lingsby sur ce penalty, un but à 0 à la 21e minute de jeu. Quel dommage. Ah, Nord Island avec une possibilité de centre apparemment. Avec cette passe pour Elle s'est bien donnée dans le Boda, profondeur. la frappe. Et ce Quel grand enveloppé passe raté. finalement. Mais quel raté de ce joueur du côté de Nanjayland. Island. Et cette passe aérienne qui tente de trouver, ça ne trouvera personne. Et on a un penalty. Penalty pour notre équipe et attiré par Olsen. Allez, Olsen. Olsen, Le c'est pénalty est dedans! transformé, Égalisation sur centré. penalty! À la 47e! Nord Jayland qui revient de loin dans ce match. Un but partout. 67e, Nord Jayland qui part en contre. Avec Olsen. Ali. Avec cette passe maintenant pour Olsen. Elle Olsen qui est explose la passé. tertiaire Olsen là. la frappe! Oh oui, le tir! Le Et finalement, dehors! Signe le but qui Olsen! leur permet d'être à nouveau en tête. 2 buts 1 pour Nord Jayland. Et on part en solo avec Ali apparemment. Ali. Allez, le petit Ali qui tente de trouver cette passe pour Warner. Warner qui trouve Lennon. Alors, Lennon qui tout est son côté parti. pour ce ballon. Lennon, le Ah, c'est but! dommage! 3 buts 1 à Avec domicile! deux longueurs d'avance grâce à ce nouveau but, il fallait être réaliste et c'est fait. Quel but hein, de Lennon. Et ça fait 3 buts à 1 pour notre équipe qui a totalement renversé ce match. Et maintenant elle domine avec Le Olsen. corner. Hernandez, Et 4 finalement, ans! il est Le but possible, de il y a un panneau Hernandez! solo et maintenant 3 buts d'avance. Ça fait 4 buts à 1. On était mal barré. Et finalement, on va s'imposer dans cette rencontre. Nouveau penalty pour l'adversaire. Alors, est-ce que c'est le même que tout à l'heure? C'est Charles qui va le tirer. Et c'est Ah, il m'a défendu eu, j'ai coqué, changé de parfaitement côté. tiré, rien à dire. 4 buts à 2 sur ce penalty. 2 Et penalty voilà, quand même pour eux. l'arbitre met Un un penalty terme pour nous, mais on à la s'impose rencontre. 4 buts à 2. L'équipe remporte C'est en bleu parti, parce c'est que ce qui nous parti. attend Un risque de match complaire. très On a important hâte de que Ligue ça des démarre. Champions. On rappelle qu'on Au est deuxième de commentaire, notre groupe Benjamin à égalité de Tuchel. points avec l'Ajax qui est troisième. Donc on est obligé de gagner ce match. Pour espérer une qualif avec cette passe maintenant pour Warner. Peut-être l'occasion Warner! de mener au score. Warner! Et On s'est ben non, mais ce repoussé, oh, il se penalty. jette ce joueur. Finalement c'est Ouais, c'est bien joué. récupéré. C'est Quelle claquette. tiré le gardien de but qui fait un arrêt énorme. Toujours 0-0 avec Manchilia. Manchilia qui part encore. Manchilla qui crochette, la frappe de Manchilla, il tente de tirer, du coup ça passe devant tout le monde. Comme si c'était un centre, alors que ce n'était pas un centre, c'était un tir de Manchilla. Avec Jovanovic. Avec Jovanovic qui Quel tente de ballon dans trouver le dos de Warner. défense Il pour n'y a pas Malo, il faut position de s'appliquer hors-jeu pour maintenant. Warner. Warner qui retire pour son coéquipier Et ça rentre, qui voilà le met le premier ballon au but du fond. match. La récompense pour une domination, et c'est 46e. logique. Le but qui nous fait du bien pour Nord Jayland, le numéro 27, qui vient marquer. C'est Nishimura. Et on a l'occasion de doubler la mise. 10 minutes plus tard sur ce penalty qui va être tiré par Olsen. Et Olsen
Olsen, ah, ça... ah oui, c'est dedans. Ah, contre son camp du gardien apparemment. Parce que ça, c'est, ça touche le poteau, ça revient sur le gardien et ça rentre. Et ça fait but. Et 2-0 dans ce match de Ligue des Champions. Et Laïsk qui part en solo. Attention à la 63e minute de jeu. Oh, attention, on a des gens qui tentent de revenir. Tentent de revenir. La réduction du score. 2-1. Il est parti tout seul. On n'a pas pu revenir. Une défense beaucoup trop lente. Et Laïsk qui revient à 2-1. Dans Thailand qui va pouvoir avoir un contre. C'est un match incroyable. Hein. 2-1. Très serré, on sent que les deux équipes veulent se qualifier pour la suite de la compétition avec cette passe pour Lennon. Voilà, Lennon, la passe est trop molle. Et Lainsk, qui attention, peut-être égaliser sur cette attaque. Ce serait dommage, hein, franchement, de concéder un but à nouveau sur une contre-attaque. Attention, attention, oui, on récupère. Dans Thailand, en attaque, enfin une bonne possession d'attaque peut-être pour notre équipe avec Warner. Warner qui attend Nishimura, Nishimura qui tire. Ah, c'est repoussé cette frappe de Nishimura. Avec maintenant cette équipe d'Andrzej Jelan qui tente de y aller avec Jovanovic. Jovanovic, le centre pour Warner. C'est repoussé. Oh, il est sauvé ce ballon. Mais c'est une victoire 2-1 quand même. Allez, nouveau match. Face à Randers FC. Match de championnat, bien sûr. Hein. De 3F Super, les gars. Et on intervient parfaitement. Allez, Angelon qui doit y aller. Hein. Qui doit aller chercher les 3 points aujourd'hui. Avec Jovanovic. Jovanovic avec cette passe pour Ali. Ali qui tente de trouver un ballon aérien. Warner. Warner qui contrôle. Oh, la frappe qui passe juste à côté. Cette frappe de Warner. Jovanovic. Jovanovic avec cette passe qui trouve un joueur de Randers sur sa route. Et on a Olsen. Olsen, attention avec ce ballon pour Nishimura. Ah, Nishimura. Beaucoup d'occasions, hein, beaucoup de domination quand même du côté de North Island. Un petit peu de manque de finition pour l'instant. Va-t-on trouver la solution avec Morshiga? Cette passe maintenant, cette passe à nouveau avec la passe maintenant pour Lennon. Lennon qui tente de trouver ce joueur. La frappe et l'ouverture du score enfin. C'est mérité pour Andrzej Jeland qui domine, qui a eu du mal à finir, à conclure devant. Mais ça vient marquer. Et c'est un but d'Ali. Coup franc pour Andrzej Jeland. Avec Nishimura, Nishimura, la tête est pas mal. Ou le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. On récupère ce ballon. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Avec ce décalage, ce centre, la tête et ça passe juste à côté. Le ballon passe loin sur cette tête. Jovanovic. Jovanovic pour Lennon. Lennon qui contrôle. C'est parti pour Lennon. Lennon. Oh, le ballon intercepté par le gardien qui vient se jeter littéralement sur l'attaquant. Attention, attention avec cette attaque maintenant pour Ali. C'est terminé, l'arbitre qui siffle la fin de cette 1-0, la victoire d'Andrzej Jeland. Allez, c'est un match de haut tableau hein, entre Mike Jeland et Andrzej Jeland. Les deux principaux clubs du championnat avec Warner. Warner qui est parti. Warner. Warner qui attire. Oh, dommage. C'était la spéciale. Ça n'est pas passé. Frappe passe trop forte.
Et le ballon est perdu bêtement. Excellente intervention, ça sort en touche. Dommage, la passe est beaucoup trop forte. Sinon, le but, bah, il est étouffé. Hein. Avec cette passe maintenant. Avec Warner. Bien joué dans la profondeur. Warner qui n'a pas le choix, cette fois faut centrer. Oui. Et c'est encore Warner. Dégagé par la défense de Mike Jayland. Et en plus, en face, il y a un joueur qui s'appelle Juninho. Allez, Lennon. Lennon, la frappe est captée. Allez, on a poussé, on n'a pas su les mettre. Maintenant, on va falloir savoir défendre sur cette action. Avec Dreyer. Ouais, on intervient. Attention, le joueur qui arrive quand même à passer, qui arrive à défendre. Ouais, magnifique tacle, pas de pénalty, c'est le plus important. Et on va pouvoir reconstruire. Que c'est chaud. Avec Warner, attention, le but est vide et double parade sur cette action, encore une fois. Une domination, mais on n'arrive pas à mettre ce but qui nous libérerait avec Olsen. Ah, il est bien frappé, ce corner. La tête, c'est repoussé, la tête est dedans. Une première tête qui est ratée, mais qui arrive sur Olsen. Et ça promet pour la suite. Et ça finit au fond. Et ça fait un but à zéro pendant Jayland. Sur un coup de pied arrêté, on a su faire la différence. Allez, 1-0. Il s'agirait maintenant d'alourdir ce score avec Hernandez. Ali. La frappe de loin, la frappe de Mulle. Si c'est obtenu, vous avez débloqué. Tir puissant. Incroyable cette frappe. Quelle frappe! Et ça fait 2-0 pour Nordjylland. Avec Jacobsen. Avec Warner. Warner! La frappe de Warner est 3-0. Match compliqué. Et ensuite, ça déroule. 3-0. Face à un concurrent, là. Un concurrent au titre. Voilà, l'arbitre met belle victoire 3-0. L'objectif, c'est de sortir du groupe et de se qualifier pour la phase à élimination directe. On va vivre ce grand rendez-vous dans quelques secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Allez, en cas de victoire, une de deux équipes assurerait sa place en 8e de finale de Ligue des Champions. On est à égalité de points. Avec 12 points, on assurerait une place pour les 8e. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Pas la première place, mais en tout cas, une place. Pour l'instant, on est deuxième à égalité de points avec City qui en a 9. Et derrière, il y a l'Ajax avec 6 points. Donc il ne faut pas perdre ce match. Allez, la compo de Nordjylland. Avec Carey, Lee, Hernandez, Christensen, Carlson, Jovanovic, Olsen, Manchilla, Lennon, Warner, Ali pour la pointe de cette attaque. Et on va affronter du très très lourd. Avec City, le City de Haaland. Ça va être très compliqué. Mais on est à domicile.
On espère un gros match. De Manchester City, titulaire dans le but Ederson. Kevin De Bruyne sera accompagné de Rodri au milieu et en attaque Erling Haaland. Voilà, encore une grosse équipe hein, côté de City. Allez, c'est parti. Phil Foden. Il progresse là, Phil Foden. Kevin De Bruyne à Land. Attention, ça se trouve parfaitement. Carré qui capte. Et la relance rapide, hein, c'est là qu'on peut faire des différences. Et peut-être une belle soirée. Avec cette passe très bien jouée pour Warner. Warner qui trouve son coéquipier. La frappe, l'ouverture du score. Action rapide. Et le but de Jovanović qui était monté aux avant-postes sur un contre de Nordre Island. On punit City. Warner qui trouve parfaitement Jovanović. Et Jovanović entre les jambes du gardien. On va voir ce que c'est entre les jambes. Non, c'est juste à côté, c'est juste à côté. Il fallait être là. Il trompe le gardien de City et ça fait 1-0. Et pour l'instant, ça en 8e. C'est peut-être une faute là sur Jovanović. Bonne intervention, ballon dans les pieds. Allez, encore des espaces laissés par City. Avec cette passe maintenant pour Ali. Ali qui est parti. Ali, le 2-0. Le 2-0 pour Nordre Island. Avec un avantage de 2-0. City est surpris par cette équipe. De Nordre Island qui joue très très bien, on peut le dire. Ah, il est oh, Hernandez qui va lancer son attaquant. C'est parti avec Olsen. Olsen, oh, le but, le 3-0. 3-0, il est énorme Hernandez. Il fait des relances, il arrive à éliminer les joueurs. Il est très propre hein, dans la relance Hernandez. Sur Hernandez qui peut relancer sur Carlson. Et là ça peut y aller avec Carlson qui va lancer son ailier Lennon qu'on n'a pas vu beaucoup dans ce match. Allez Lennon c'est repoussé mais là 4-0 pour Nordre Island. Et De Bruyne qui est obligé de retrouver ses coéquipiers avec ce joueur. Wow, ça allait partir 4-0, très belle victoire dans ce match face à City. Et normalement, on est assuré d'aller en 8e de finale de Ligue des Champions. Allez, on est parti pour le dernier match de cet épisode. Match sans fort bien sûr face à Brøndby. C'est une très grosse équipe et est en train de le prouver cette équipe. J'ai regardé, on n'est pas assuré à 100% d'être en 8e. Le tir, je vous fais montrer après pourquoi. Bien. Mais ça sent très bon pour les 8e, mais on n'est pas assuré à 100%. Voilà. Faudrait vraiment quand même une catastrophe pour qu'on se trompe pas. C'est une bonne occasion de mettre un ballon dans la surface. Allez, attention, Brøndby. Attention, Brøndby qui attaque. Très bon contrôle. Et enfin une possibilité, quelque chose à tenter hein, pour Nordre Island avec Olsen. Olsen, Jovanović avec ce décalage pour Lennon. Lennon qui va, Lennon. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Lennon avec Warner qui se retourne, ça touche le poteau, la grosse occasion. Grosse occasion qui touche le poteau. C'est dommage là, franchement, très belle occasion. Avec Olsen, cette tête était bien losée. Ça va revenir sur Ali. Avec Carlson. Oh, le latéral gauche qui tente sa chance et c'est capté par le gardien. Avec Lennon qui repart. Lennon qui attend le départ de Ali. Ali, la frappe elle est lourde et elle est filée au fond cette frappe d'Ali. 1-0. 1-0 pour Nordre Island face à Brøndby. 36e contre-attaque avec Olsen, on a des solutions devant.
Avec ce ballon aérien pour Warner. Oui, c'est un bon ballon, ça. Warner, la remise de la tête, le but. La remise, elle est bien jouée pour trouver son coéquipier, Lennard. Et ça fait 2-0. Ils peuvent être heureux, les supporters. On n'est plus que jamais leader du championnat. Allez, tirez-nous votre coup franc, blonde bye. Ouh, c'est tiré court, comme nous on le fait souvent. Ah, c'est bien joué, il y a une bonne progression. Blonde bye qui tente d'intervenir. Bien récupéré par notre équipe. Et voilà, c'est coupé la attaque. Avec maintenant une possibilité de centre apparemment pour Olsen. Oh, le ballon qui a failli sortir, il va trouver son coéquipier. C'est Manchilla, Manchilla. Ah, c'est parfaitement compliqué, défendu, pour ça. Manchilla. C'est terminé, l'arbitre met fin à cette victoire 2-0. Victoire à l'extérieur. On finit bien cet épisode ce avec une victoire. Ce n'est pas vraiment un hasard, ces deux buts d'écart. Alors, allons voir notre classement en Ligue des Champions. Du coup, en Ligue des Champions, le prochain match qu'on joue, c'est face à l'Ajax. En gros, si on perd contre l'Ajax, on serait à égalité. Si l'Ajax gagne contre nous, en gros, ils ont 12 points. Si City gagne face à l'Ajax, ce qui va sûrement être le cas, ils auront 12 points. Donc, on serait 3 équipes à 12 points. Bon, on a 11 de différence de but parce qu'on marque plus de buts que les adversaires. Et on en a moins encaissé. Ce qui fait que s'il y a une grosse catastrophe, parce qu'on a quand même 11 de différence de but, faudrait que City marque plus d'une dizaine de buts et que l'Ajax nous en marque pas mal aussi. Ce qui me paraît quand même un peu un problème. Mais s'il marque plus de 10 buts chacun, il passerait devant nous City et l'Ajax et on terminerait 3e de cette phase de groupe de Ligue des Champions. Et on serait reversé en Ligue Europa. Ce serait vraiment un scénario catastrophe. Mais je pense quand même qu'on est assuré à 70% voire 80% d'aller en 8e de finale de Ligue des Champions. Et n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner pour voir la suite de cette carrière au FC Nord Jylland.